Il n'y a pas une minute à perdre dans cette séance qualificative. Le Grand Prix du Canada débute dans des conditions assez exceptionnelles. La pluie s'invite lors de la qualification. On est en réglage sec. Et pour l'instant, la piste n'est pas encore considérée comme étant humide. On peut donc tenter quelque chose avec des pneus tendres avant qu'il ne soit trop tard. On est parti dès que le feu vert a été présenté en bout de pit lane. Et je pense qu'on peut ici faire peut-être un nouveau coup de poker comme à Barcelone en misant sur des réglages secs. Pas complètement dédiés à la ligne droite du troisième partiel, mais on peut se défendre peut-être. Le DRS est toujours disponible. Meilleur tour pour Lando Norris pour le moment. Et avec 50% de répartition de freinage, la voiture n'est pas trop ridicule à l'épingle. Ouais, c'est pas mal, hein. Peut-être que ce chrono avec des pneus chauds en tout début de séance nous mettra à l'abri pour peut-être accéder à la Q2, on va voir ça. C'est vrai qu'après Baku, on a bien envie de remettre les pendules à l'heure. En deuxième dans la chicane, on prend pas trop de risques par rapport au mur des champions. Est-ce qu'on va faire un chrono honorable? Et pour l'instant, on est 1,6 seconde derrière Fernando Alonso. C'est pas du tout ce que ça peut donner, mais c'est pas si mal que ça. Énorme surprise à l'issue de la qualification. On est donc en Q2 puisqu'on a joué les plus malins et on n'est pas les seuls. Lance Stroll également, Magnussen aussi parmi les invités surprises. On a donc Leclerc qui est qualifié, Bottas Ocon malheureusement, Théo Pourchaire a été éliminé avec les pneus intermédiaires, Latifi avec des softs était quand même à 7 secondes. Donc on est passé juste avant les gouttes, Vettel également qualifié. Donc une séance de qualification surprise, on enchaîne avec la Q2 où on l'espère on peut continuer sur cette bonne forme. En tout cas ça part plutôt bien. Nous sommes en toute fin de cette deuxième séance qualificative, peu de pilotes ont été suffisamment téméraires pour tenter les intermédiaires, on a voulu tenter notre chance, ça n'est pas possible, les conditions ne permettent pas aux voitures de s'exprimer avec les gommes à bande verte. On va donc tenter notre chance en toute fin de séance, il reste à peine 3 minutes. Ouf, et ça freine pas du tout, et oui on n'a pas le setup adapté, c'est compliqué alors que là on a gêné une Red Bull qui sortait des stands. On va peut-être enchaîner deux tours hein, dans ces conditions, mais même au niveau des freinages, la voiture ne braque pas. Alors que l'on a encore le pied sur la pédale de frein. Condition très complexe dans cette qualification. La pluie qui n'a pas vraiment été avec nous depuis le début de la saison. Un élément auquel Formule France n'a pas été forcément confronté. C'est compliqué de faire braquer la voiture à basse vitesse. On a une Red Bull derrière qui a l'air de se préparer un tour rapide qui devrait suivre. On va tenter nous d'enchaîner donc deux tours consécutifs. Voir si les pneus chauds fonctionnent un peu mieux dans le deuxième run. Bon, et on a bloqué totalement les roues dans la chicane. Et on a des dégâts au niveau du fond plat. Et on a donc le 16e temps étant donné la situation. On va essayer d'améliorer hein, ce chrono. On est à 8 dixièmes des meilleurs. Ça, c'est de la full concentration que vous n'entendez pas. Du coup, je ne dis rien. Motricité quasiment inexistante dans certains secteurs. C'est pas si ridicule que ça, hein.
Oh là là, par contre, à l'épingle, on est arrêté complet. Pff, on est moins vite que tout à l'heure dans l'épingle. Ça n'a pas beaucoup de sens. On sent que les réglages secs ne fonctionnent pas bien. Ouais, l'arrêt de bulle est plus vite. À mon avis, on va être éliminé. Je vois mal comment on pourra faire mieux. On peut peut-être gagner un dixième ou deux, mais sans plus. Et avec un dixième, on sera 16e, éliminé de cette deuxième séance, mais difficile. Alors que la voiture est prévue pour des conditions sèches d'aller défendre notre position. Et logiquement, hein, logiquement devant, pas de grosses surprises parmi les qualifiés, si ce n'est peut-être Fernando Alonso sur l'Alpine. Et d'ailleurs, eh bien, les éliminations sont logiques après les petits coups de Trafalgar vus lors de la Q1. Nous, avec nos setups full wet, peu d'appui, etc., impossible que ça fonctionne. Donc en vrai, 16e, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Bonjour et bienvenue sur l'île Notre-Dame pour un nouveau Grand Prix du Canada qui s'annonce incroyable. La proximité des murs et les vitesses de pointe atteinte rendent ce circuit particulièrement difficile. La pole position se joue souvent au centième de seconde et vous l'avez compris, la moindre erreur peut coûter très cher. Long de 4,3 km, le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides du calendrier. Les vitesses de pointe qui flirtent avec les 340 km/h à l'entrée du virage 13 facilitent les dépassements. Nous avons au total 14 virages et 60% du tour peuvent être parcourus à plein régime. La vitesse moyenne est d'environ 210 km/h. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Pérez, Hamilton, Daniel Ricciardo et Gasly, Verstappen, Russell, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Bottas, Magnussen, Lance Stroll et Norris, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Vettel, Lombardi, Mick Schumacher et Alexander Albon. Zhou, Latifi, Théo Pourchaire et Yuki Tsunoda. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Map is good, but we need to learn the gears. So go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Stratégie décalée pour nous, comme pour Mick Schumacher, pas contraint de prendre les pneus de la Q2 puisqu'on n'est pas passé au-delà et quand bien même on était en pneus pluie, donc il faudra surveiller le pilote allemand derrière nous avec une Haas moteur Ferrari qui pourrait être redoutable. Quant à nous, eh bien, on a opté pour la longévité. Avec un arrêt aux alentours du 9 ou 10e tour de course, il devrait faire sec contrairement à hier. On a donc une voiture bien mieux réglée que ce à quoi on avait droit lors du Grand Prix précédent. Pas de pluie attendue, un circuit propice au safety car. Alors j'ai l'art de dire ça et elle ne sort pas, mais elle est censée être présente dans ce genre d'épreuve. En tout cas, nous, on va tenter de jouer des coudes avec autour de nous pas mal de pilotes qui sont habitués de se battre avec nous, notamment les Aston Martin qui ont fondamentalement un niveau de performance proche, si ce n'est égal au nôtre. Par contre, pour aller battre Esteban Ocon, il va falloir sans doute des conditions de course un petit peu différentes. En tout cas, ici, on aura beaucoup moins de difficultés, à part à l'épingle, de relancer la monoplace. Donc, pas mal de courbes rapides. Donc, un terrain de jeu qui convient un peu plus à cette Formule France. J'espère ne pas trop me tromper, j'espère surtout avoir le rythme malgré mes pneus médiums et peut-être au départ déjà espérer rejoindre ou dépasser Lance Stroll, voire Lando Norris. On va voir ce que va donner ce départ avec comme objectif, on va se l'avouer vraiment aujourd'hui, aller chercher deux gros points. Alors, la position sur la grille est très importante, on va essayer de ne pas se louper. Ah, on a été un peu trop loin. La procédure de départ de ce Grand Prix du Canada. Et c'est parti, on roule à Montréal.
Très bonne réaction à l'extinction des feux. On va tenter de se placer à l'intérieur face à Vettel et aux autres. Oups, pas de tension. On était un peu dans l'air. J'avais vraiment pas envie d'aller au contact de l'Aston Martin. On va passer sur la gauche. Est-ce qu'on peut terminer devant Magnussen? C'est pour l'instant fait. On est devant le Danois, derrière les deux Alpines, Ocon et Alonso. Pour l'instant, Alonso est devant. On attaque Esteban Ocon à la hauteur du pilote français dans le premier partiel. Oh, on se loupe. Ah oui, là, il va repasser Ocon. Bah oui, c'est logique. On est allé freiner au panneau trop tard. Les pneus peut-être un petit peu trop frais encore. Bon, un départ carrément plus encourageant que ce à quoi on avait eu droit lors du dernier Grand Prix à Bakou. Attention parce que là c'est Verstappen qui est en grande difficulté, il est en pneu dur, le pilote néerlandais. Et est-ce qu'Ocon va pouvoir résister? Attention tout de même à cette Alpine. On va conclure bientôt le premier tour, on a été très gourmand en ERS. Bah écoutez, on s'en sort pas trop mal dans ce départ. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis plutôt confiant. Et on va conclure le premier tour sous le commandement de Carlos Sainz. Attention, il y a une voiture qui a l'air d'être au ralenti devant, une Mercedes en difficulté qui ralentit une partie du peloton. Oh, c'est bon pour nous ça. C'est bon pour nous. Verstappen qui dive littéralement en allant toucher la voiture de... C'est Joe qui est là devant, je pense. Et on est passé, mais pas encore face à Ocon, le duel avec notre rival. Et on passe quasiment dans l'herbe, le français. Et on accède aux portes des points. C'est ici hein, qu'on s'est loupé lors du premier virage et du premier freinage. Dans ce secteur du circuit. Oui, on est bien. Hein. Allez. Course beaucoup plus passionnante que ce qu'on a vécu la dernière fois. On n'est pas loin de l'Alpine, on n'est pas loin de l'Alpine d'Alonso. On va aller se porter à la hauteur. Qu'est-ce qu'on a mangé ce week-end? Incroyable. L'Espagnol qui ne peut pas croiser. Et je vous l'ai dit, hein, beaucoup de pilotes ont opté pour des setups pluie. Et on a le même bloc hein, que dans l'Alpine, on vous le rappelle. Pour l'instant, pas le même châssis. Sainz qui remet une couche au niveau du meilleur tour en course. Pour l'instant, la voiture n'a rien. On va essayer de ne pas être trop gourmand sur les vibreurs de la chicane du dernier partiel et ne pas aller endommager ce fond plat qui a vraiment besoin d'être renforcé. Si on est plus vite que l'Alpine, c'est un secteur que j'aime beaucoup ici. Regardez dans les secteurs sinueux. Cette voiture a vraiment du talent pour les courbes. Elle a vraiment une capacité à être bonne en courbe rapide. Et là, il y a de tout. Hein. Il y a Verstappen en dur, Alonso en tendre et nous, on est en médium. C'est incroyable. Et on conclut le quatrième tour. Le troisième tour, pardon. On attaque le quatrième tour de course. Dans un rythme soutenu. Oh, Alonso se loupe et on passe. La pression sur l'Espagnol, allez. Vous voyez, ça finit toujours par payer. Allez, on a du potentiel aujourd'hui dans cette voiture. Un point nous attend pour l'instant au drapeau à damier.
La voiture de Verstappen en pneus durs est-elle prenable? On est en droit de se poser la question. Et un week-end n'est vraiment pas l'autre. Pas encore de retour au stand pour les pilotes en pneus tendres. Hein. Ça devrait s'opérer d'ici 2-3 tours. Et le message radio qui fait plaisir, on est dans le top 10. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une Mercedes qui ralentit le reste du peloton. On nous dit qu'on est une seconde plus vite qu'Alonso. Pas si certain que ça. De l'écart de rythme annoncé avec l'Espagnol. C'est une AlphaTauri qui est en difficulté pardon, devant nous. J'ai cru tout à l'heure qu'il s'agissait d'une Mercedes. On est bien aussi au niveau de l'ERS. J'ai été généreux là sur le vibreur. La voiture n'a pas été endommagée. La Red Bull en pneu dur est un adversaire au niveau d'une Formule France en pneu médium. Quand on est dans le rythme, ça me suffit. Hein. Je suis suffisamment satisfait de ses performances actuelles. Pas encore de retour dans la pit lane dans ce cinquième passage. On attaque la sixième boucle. Et bientôt au tiers de l'épreuve. Et pour l'instant, on tient un bon point. Je ne sais pas quel est l'écart entre Bottas, l'AlphaTauri et la voiture qui est devant, mais ça a l'air d'être énorme. Hein. Pas normal que cette AlphaTauri soit encore devant. Par contre, Verstappen, il est en train de perdre quasiment le championnat. Hein, sans exagérer, là. Si c'est encore Charles qui va chercher la victoire, et ben nous, on va chercher déjà Verstappen. Sans complexe. Incroyable ce qu'on est en train de faire quand même là. Vous imaginez qu'à la régulière sur le sec, avec des réglages sans doute un peu plus adaptés que la Red Bull, on va chercher Verstappen en pneus durs. C'est inimaginable ce qu'on est en train de faire. La voiture de Gasly est en tendre. Pour l'instant, c'est 2 points pour nous. Alors attention quand même parce qu'Alonso n'est pas loin et Verstappen non plus. Je donne un petit coup de frein pour pas percuter l'Alfa Romeo. Pression maximale hein, sur nos adversaires directs. Et les pneus tiennent bien. Même les pneus de la voiture tiennent particulièrement bien. Pour l'instant, une usure de 24% à l'arrière. On pourrait peut-être retarder notre arrêt d'un tour ou deux. Ça rentre pour beaucoup de monde, bien évidemment. Les pneus tendres n'étant pas éternels, 7 tours de course suffisent à ce que ceci rende là. Verstappen va enfin reprendre l'avantage. Et là, il y a une Ferrari qui vient de sortir des stands maintenant. Et Verstappen est derrière. Et Perez également. Qui est derrière nous avec des pneus médiums. C'est quand même hallucinant que niveau stratégique chez Red Bull, on soit avec ces gommes-là. Et ce que vous devez vous dire, c'est qu'à la régulière, là, je me bats face à Verstappen. Hein. On se bat l'un face à l'autre. Et voyez qui glisse. Hein. On a vu le train arrière de la Red Bull. Légèrement en délicatesse sur cette réaccélération. On commence à souffrir au niveau des gommes, des deux côtés. Contre Perez avec des médiums neufs. Je
donne pas cher de notre peau. Alors là par contre, s'il y a un safety car qui pointe le bout de son nez dans deux tours, ça peut être jackpot. Perez qui va tenter l'extérieur et qui va passer sans aucune difficulté. Et Verstappen en médium dans son deuxième relais va abdiquer avec les pneus durs après 8 tours. Ça c'est incroyable. Nous on reste sur nos gommes. Is 33 secondes d'écart avec avec Théo. Perez est passé. Perez qui avait ravitaillé. Si on est dans la seconde du Mexicain. Et on y est. On a le DRS encore. Leclerc qui est rentré pour des médiums. En train de faire un Grand Prix du Canada absolument maîtrisé. Et bon sang que ça fait du bien au moral, parce que franchement, on l'avait dans les chaussettes à Bakou. Alors 31%, c'est pas mal pour l'instant. On a encore deux tours à tenir avec ces gommes. Sera effectivement sur les softs dans le deuxième relais, ce qui fondamentalement va nous aider avec une voiture légère. En tout cas, on va terminer devant notre équipier. Ça nous fera une petite prime de course. Ça, je pense qu'on ne prend pas trop de risques avec ce nouveau sponsor. Il n'y en aura plus ici Perez pour le DRS. 2 secondes de retard sur le Mexicain. On va rester tendre du côté de l'ERS. Pas risqué plus de dégâts qu'autre chose. Et on va rentrer à la fin du 11e tour avec pour l'instant 33% d'usure sur le train arrière. J'ai bloqué un petit peu ici à l'épingle. Derrière nous quand même à la régulière, hein, Leclerc et Hamilton. Alors ils vont revenir, hein. Leclerc 7 dixième, il a le DRS avec la monoplace la plus rapide du plateau, ça devrait être une formalité de nous doubler. Il faudra encore tenir, puisqu'on ne rentre pas tout de suite avec les pneus médiums. Regardez l'écart avec la Ferrari. Leclerc qui va nous déposer dans la ligne droite. On n'est pas dans la même catégorie, clairement. À deux doigts de laisser quand même passer à Lewis Hamilton également. Hamilton va être plus vite. Voilà, ça ne sert à rien de bloquer Hamilton. On n'est pas dans la même course, mais surtout pour avoir le DRS derrière le pilote britannique. Ça, c'est bien joué. Il va nous amener le DRS encore pendant un tour. Je crois qu'on peut rentrer le tour prochain, hein. On fait 12 tours avec les médiums, c'est pas infaisable, hein. 36%, c'est pas encore de trop. Tout nos temps autour ne s'effondrent pas non plus. On garderait le DRS d'Hamilton, ouais, c'est pas bête. Bon, et allez, on va faire un tour supplémentaire. On va faire un tour de plus, comme ça on va cartonner avec les tendres après. Sur le DRS d'Hamilton qui nous aide grandement. Allez, le meilleur tour de rentrée possible. On va tenter de faire ça pour l'ingénieur. On est dans le rythme de la Mercedes, c'est hallucinant ce qu'on est en train de faire. Le déséquilibre d'une course qui n'est pas l'autre. On a encore le DRS ici. Ah, c'est dingue. Je sais pas où on va ressortir. Tout ce que je sais, c'est qu'on ressortira de là avec 1. Un fond plat en bon état. Et 2. Des pneus tendres qui ne demanderont qu'à se faire plaisir.
Là, on commence à le sentir. 3 secondes 9 d'avance sur la voiture derrière. En vrai, ça va être chaud. Allez, on va plonger tout droit. Droit dans la pit lane. Et on va voir comment l'arrêt va se dérouler avec l'équipe. On va essayer de ne pas se louper. C'est pas mal. Ah, il y a une roue coincée! Ah là là! Ah, on va perdre les points, Bottas! Aïe aïe aïe! Ah, il va falloir aller chercher Cravaché là. Il va falloir aller chercher les points à la force du poignet. Et on ressort 12ème. Elle n'est pas finie cette épreuve. Tout le monde est en médium usé devant. On va mettre ça à température rapidement et on va aller attaquer tout ce beau monde. Oh, j'ai le couteau entre les dents, les gars. Allez, il faut chauffer tout ça. Allez, le point de la 10ème place, je le veux absolument. Allez, on est parti à la charge de la McLaren du Britannique. Et on est passé. Et 11ème. Alonso est devant. Est-ce qu'on peut défendre ou attaquer? Et on ne bloque même pas les roues. Et on passe le pilote espagnol. Prochaine étape, Valtteri Bottas, également en médium, le pilote de l'Alfa Romeo. On l'a ce point pour l'instant, on doit le garder maintenant. Pas faire trop le gourmand sur les pneus, sur la température. On a coupé un peu l'élan d'Alonso là dans la première épingle. Plus de grip que l'Alpha. On a plus de grip que l'Alfa Romeo. On plonge et on passe Bottas. Allez. Ce sont encore des points. Pas loin du mur, là, la sortie du S. Pas de DRS pour l'AlphaTauri. On va pouvoir peut-être essayer avant la chicane d'aller chercher Pierre Gasly. Non, ça ne le fera pas. Ce ne sera pas ici. Peut-être ici par contre, le Français qui nous tasse contre le mur des stands, on peut prendre l'avantage. Et on passe. On est en 8ème position. Alors on va faire un point sur l'écart. Il nous reste moins de 3 tours, 5 secondes, 8 d'avance pour Max Verstappen. On va revenir, mais on ne pourra pas aller chercher à la régulière le Néerlandais. Qu'est-ce qu'on a fait comme week-end? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est exceptionnel. On va aller chercher les points qu'on n'a jamais récoltés. 2 points pour l'instant pour le classement pilote. Et peut-être, si la mécanique veut bien, on va essayer de pas trop tirer dedans, hein, comme on dit. Là, l'épingle, c'était compliqué. Et l'arrêt au stand n'était pas parfait, hein, donc on a dû redépasser quelques pilotes à la régulière. Alors je pense pas qu'on ait les moyens techniques d'aller rechercher Verstappen. On va le laisser filer, tout simplement, on va être honnête.
Il reste deux tours pour aller chercher les points de la 8ème place. Je ne me vois pas abdiquer. Visiblement, Pierre Gasly non plus. On a deux tours de carburant. On est bien. Mais dans ce secteur-ci, on vole littéralement. On est au-dessus. Mais quel contraste avec le Grand Prix précédent, franchement. J'étais au bout du rouleau à Bakou. Vraiment, j'en pouvais plus. Et là, nous voilà en mesure d'aller chercher ce top 10 qui nous a tant manqué lors des dernières épreuves. Alors, Ricardo 10 secondes, Verstappen 8 secondes. Il est une seconde au tour plus vite que nous, le néerlandais. Les amis, dernier tour de ce Grand Prix du Canada. Avec une voiture exceptionnelle. Je pense que pas mal de pilotes ont opté pour des setups mixtes. À l'issue de la qualification, on n'avait pas la meilleure position. Mais on a pu faire la différence en Q1, ce qui m'avait donné bon espoir. Et on a surtout pu concrétiser ici. De me défendre un peu quand même de Pierre Gasly. Est-ce qu'on va ramener une voiture avec un fond plat en vert? Faites des screenshots parce que ça aussi, c'est pas tous les dimanches que ça arrive. Puis Sainz qui nous gratifie du meilleur tour en course. Sur DRS pour Pierre Gasly, mais je pense pas qu'il puisse nous embêter là. Et quoique. Ouh, ça va être chaud. Ce sera au freinage. On lâchera pas, Pierre. On ne lâchera pas cette fois. Parce qu'on va aller chercher des points de la 8ème position. Quelle incroyable performance pour nous. Allez, c'est fait. Ok, pick up rubber and bring it home. La victoire ici au Canada lui revient grâce à un pilotage formidable et un soutien infaillible de son équipe. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche, une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Eh bien, voici les résultats de ce Grand Prix du Canada avec la victoire de Carlos Sainz devant Sergio Perez et Charles Leclerc. Vous avez vu le podium, les Mercedes en outsider et donc Clara Lombardi termine 8ème. Belle performance donc avec les 4 points qui vont faire du bien, surtout qu'on dépasse Pierre Gasly au classement de la course, mais pas encore au classement général. On va y venir dans un instant, mais voilà où c'est serré. Théo Pourchaire finit 21ème. Le Canada bien représenté avec Latifi 22ème. Au niveau du classement, donc Sainz repasse devant Perez. Verstappen toujours 4ème. C'est pas aujourd'hui qu'il a fait des étincelles, hein, l'ami Max. Et nous, eh bien, on est 16ème, mais à un petit point de Pierre Gasly, ce qui est pas mal. Et au niveau du classement constructeur, bon ben voilà, on était à 2 points il y a peu de temps. Et surtout, AlphaTauri passe devant Haas. C'est ça le gros changement du week-end. Donc franchement, une bonne opération pour nous ici à Montréal. Alors, au niveau des activités, on a le département aéro qui peut travailler.
On va peut-être travailler sur la chaîne motrice également. On va faire un petit peu de popularité et un petit tournage de promo pour l'ami Pierre Gasly. Pour l'ami, non pas Pierre Gasly encore, mais Théo Pourchaire. Hein, je suis déjà l'année prochaine. Alors on a 1400 points de R&D. En vrai, au niveau de la R&D en cours, on n'a plus que la longévité qu'on a lancée à l'épreuve précédente. Je pense qu'on peut continuer à travailler sur l'aérodynamique. Alors on a débloqué de nouveaux éléments qui sont dans nos niveaux de compétences. Maintenant, voilà, on va essayer de ne pas se planter au niveau des échecs potentiels. Au niveau du châssis, on a aussi amélioré pas mal de choses. Il nous reste encore des choses à faire évoluer. Voilà, encore au niveau de la chaîne motrice, au niveau de la longévité, on a toujours un projet qui est en cours. Au niveau du véhicule, la voiture, on a utilisé pas mal d'éléments quand même. On a toujours que deux sponsors qui sont là pour nous. Et au niveau du contrat des pilotes, on va changer les choses dans le prochain meeting. On va voir comment ça se passe au niveau de l'amélioration de la voiture avec les petits travaux faits au centre de l'écurie. On gagne un petit peu de sous quand même. Un petit peu de progression aussi au niveau de la popularité de l'équipe. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Alors, au niveau de la R&D, on a un petit peu d'évolution. On a 500 points pour le moment. Par contre, au niveau de l'organisation, on va peut-être pouvoir changer quelque chose. Voilà, au niveau des contrats, on va devoir attendre donc 1,5 million pour revaloriser l'ami Théo Pourchaire. Par contre, si on commence à aller sur le marché des pilotes, au niveau de notre budget, un Pierre Gasly à 7,5 million ne serait pas impensable dans notre volonté de garder un pilote français, mais Esteban Ocon, à 6 millions, lui aussi serait intéressant. Je ne pense pas qu'on aille chercher un autre pilote pour terminer la saison parce qu'on n'a pas les moyens tout simplement de le payer. J'espère surtout que derrière, les jeunes pilotes qui sont sur le marché ne vont pas prendre trop de budget par rapport à l'ami Théo. Voilà donc pour ce Grand Prix du Canada qui a été incroyable. En vrai, on a beaucoup progressé. On va continuer, je pense, sur cette bonne lancée parce que Silverstone est un circuit parfait pour l'équipe Formule France avec beaucoup de courbes rapides, peu de virages lents. Donc on pourrait sans doute ici faire aussi encore un bon résultat. Et pour ça, il faudra se donner rendez-vous dans la prochaine épreuve. Merci à tous d'avoir suivi ce 9e épisode. On se rend donc à Silverstone pour le prochain meeting. Merci à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.